Salut à tous, c'est Baïsanka. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne. Pour ceux qui nous suivent, surtout sur les courses de feu, qu'on cite souvent des citations de rappeurs. Et du coup on s'est dit, on va tester un peu la connaissance de Tintin et Louchkaï en matière de punchline. Comment ça va les gars? Ça va. Tranquille? Je vais te mettre à l'épreuve. On va vous mettre à l'épreuve. D'accord. C'est parti. Voir si vous avez écouté du bon son dans votre offense. Bah vous êtes prêts? Ouais, allez, vas-y. Allez, première petite... Alors tout d'abord on va quand même expliquer rapidement les règles. Rapidement. Donc moi je vais donner des punchlines de certains rappeurs à Tintin et Louchkaï et ils vont devoir les trouver, celui qui a le plus de bonnes réponses à la fin gagne. Et le perdant, si jamais vous êtes d'accord, il aura peut-être un défi. On verra. Vas-y, sérieux. Ça c'était non. Pas compris dans le contrat. C'était un petit bonus dans la bonus de vidéo. Pas un défi what the fuck, hein. Un défi genre il devra chanter sur un truc ou quelque chose, tu vois ce que je veux dire, un défi en matière de punchline, tu vois, ça peut être pas mal. Proposez vos idées aussi dans les commentaires les gars. D'accord, en fonction de défi. Ouais, pas bouffer des trucs dégueulasses comme on fait avec les courses, tu vois. Les courses c'est les niminions, c'est un truc spécial, tu vois. Là on ferait un délire de soit vous chantez un son ou tu vois, je sais pas. Vas-y, ça peut être pas mal. Vous êtes prêts pour la première? Allez, vas-y, allez, c'est parti. Tes potes, c'est tous des salopes, ils exhibent des liasses sur les photos Facebook, mais moi je sais que c'est le flouze des allocs. Ah putain, c'est connu de fou ça, hein. Alors. Moi dans les punchlines, je fais. Ah, mais je la connais en plus. Mais bien sûr, tu la connais. Remettre un nom sur. Putain, c'est ça le plus chaud. En fait. Elle me fait pas répéter, hein. Tu veux que je la redise? C'est des salopes. C'est pas Nekfeu. C'est qui? Nekfeu? Non, t'as une faute. Ah putain. Alors, tes potes c'est tous des salopes, ils exhibent des liasses sur les photos Facebook, mais moi je sais que c'est le flouze des allocs. Ah. Ouais, c'est H. Non. J'avais dit un truc. Non, c'est beaucoup plus vieux. Putain, mais je sais. Allez, un petit indice. Il s'est fait connaître en faisant de la draft. C'est quoi de la draft? Putain, mais il a pas de culture. Bon, allez, il veut pas me répondre. Mais c'est la compétition de en dessous des RC. C'est quoi des RC? Mais le rap contender. Ah putain, c'est Gizmo. Ouais. Let's go mon gars. Allez, c'est Gizmo. Et tous tes copains gangsters, en vrai c'est tous des salopes. Genre ils exhibent des liasses sur les photos Facebook, mais moi je sais que c'est le flouze des allocs. Ah, mais t'as pas le droit de regarder sur internet, Tintin. Mais quoi, rien du tout, je suis devant mon PC, je touche à rien, j'ai même claqué des mains. Merde, putain, j'ai fait tomber mon truc YouTube. Quel truc YouTube? Le trophée des 10K. Mais non, mon clap. Putain, bah j'ai frappé des mains, ça a tout fait vibrer, c'est cassé la gueule le truc. Bon, vous êtes prêts pour la deuxième? Vas-y. Demande au clochard si l'argent ne fait pas le bonheur, putain de proverbe à la con, j'irai bien gifler son auteur. Black M. Presque. Question d'assaut. Ouais, voilà, c'est juste. Oh, mais vas-y aussi, putain. Vas-y, trop chaud. Demande au clochard si l'argent ne fait pas le bonheur, putain de proverbe à la con, j'irai bien gifler son auteur. Ah, celle-ci. Putain de proverbe à la con, j'irai bien gifler son auteur. Tu vois, c'est que des anciennes quand même, tu vois, ça te rappelle direct les musiques. Ouais, celle-ci, elle est pas mal. En plus, ça va me faire réécouter des sons, ces trucs-là. T'as pas de punchline de Lori ou de. Donc ce n'est pas que je n'aime pas me mélanger, mais disons que simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Pétozo. Aïe. Putain, le gars. Autopsie volume 3, rat des villes. Ce n'est pas que j'aime pas me mélanger, mais disons simplement que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Allez, suivante. Je vais me tatouer l'œuf sur les phalanges pour te frapper avec amour. Cette kex. Aïe. Je vais me tatouer l'offre sur les phalanges pour te frapper avec amour. Je porte le Marcel comme un chauffeur poids. Michto, tapis moquette. Il est chaud, Tata, il est chaud. Je suis pas en partage d'écran. Ouais, Celle-ci aussi, elle est pas mal. Non, l'amour rend pas aveugle, on t'a juste baisé dans le noir. Bon alors. C'était un son où il y avait plein de rappeurs comme ça, ils étaient tous dedans ensemble. Mais encore. Ah, c'est pas le nom du groupe, hein, mais. Non, c'est pas un groupe, ça, c'est que un seul mec, tu vois. Un indice supplémentaire. Je vois pas. T'as juste baisé dans le noir.
Tu vas pas? On t'a quoi? Non, l'amour rend pas aveugle, on t'a juste baisé dans le noir. Putain, moi j'ai même le son direct qui se déclenche dans ma tête et tout et... Bah ouais, mais tu vois qui c'est? Avec sa grosse voix comme ça, on t'a juste baisé dans le noir. C'est Fiu! Non! Fababi, ah, putain! Ouais, bah, vas-y. Je suis sûr, là, tu t'imagines sa voix dire la phrase direct, tu revois le son. Pareil, je vais pas écouter. Non, non, l'amour rend pas aveugle, on t'a juste baisé dans le noir. Baby, baby, no more. Baby, baby, no noir. Non, non, l'amour rend pas aveugle, on t'a juste baisé dans le noir. Tu vas pas? Fababi, il a un maxi front surtout, lui. Ouais, ouais, mais bordel. Bon, celle-ci elle est bien. Je gratte et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes poings contre tes fesses. Ouais, ouais, je donne le Sky. Petit point pour le Sky. Merci. Je gratte et la nuit je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes poules contre tes fesses. Bon, vas-y. Et d'ailleurs, ce truc-là on l'a remixé à la 1 chasse d'un. Oui, vas-y, dis-nous ta petite phrase, Nathan, vas-y. Sois content, vas-y, fais-le avec ton tout-tap. Ouais, bah... vas-y. Je drop, c'est le bruit de mes douilles contre ta caisse. C'est le bruit de mes tout-tap dans ta tête. Voilà, notez sa punchline. Voilà. Ah bah, non, bon, j'aime bien, moi. Il était chaud. Ah, quand tu connais H1, c'est pas mal. Le savoir est une arme, mais personne braque pour acheter des livres. Ah là, il y en a eu plein à faire des trucs comme ça avec le savoir est une arme. Tout le monde l'a fait, donc là, c'est chaud de trouver. Un ancien. Mais ancien, tu es ancien. Et il refait des sons encore, là. Un peu moins qu'avant. Et je peux pas te donner un titre de musique, vrai, tu vas le trouver direct. Ah, c'est ça, indice. Bah ouais, mais c'est... Bah ouais, mais putain... Ah ouais, mais pour que ça aide le Shrey aussi, tu vois. Après, limite, si je peux Loulou, savoir... Loulou, t'es prêt? Et... Ouais. Réfléchis bien. Il a fait un son avec Charles Aznavour. Ah, bah là, mais moi je sais pas, mon gars. Bah vous êtes sérieux? Bah vas-y, bah dis. Ah, tu parles de lui? Bah tu vas me dire l'artiste. Tu vas me dire l'artiste, je vais savoir, mais là, bah, y a combien de rappeurs ils ont fait un son avec Charles Aznavour? Attends, Kerry James? Ouais. Ah voilà. Okay. Parce que en fait, il est passé à une émission l'autre fois et il parlait d'Aznavour. Donc ça m'a fait tilt et. Ah ouais, les bêtes de connu en plus, c'est. Surtout qu'il est trop fort dans ses textes. Je sais même plus c'est quoi. Mon art a un sens, mon art a une opinion, mon art est intense, mon art ne s'excuse pas s'il vous gêne, car il a... À l'ombre du show business, faut être optimiste mon frère, tous les grands mouvements ont souffert. Ah ouais, lui aussi il est balèze. Je sais pas, prends des punchlines comme je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie, ça je le connais, je sais qui tu vois. Vas-y, on te contre un point si jamais elle tombe. Ça c'est la fouine ça. Bah oui, c'est la fouine. Ouais, vas-y. Celle-ci aussi, elle est pas mal. Ils veulent qu'on respecte les consignes. En gros, ils veulent qu'on reste bête et consigne. Ah putain, bah ouais, je m'en doutais que t'allais dire les consignes. je savais, mais alors. Alors, ils veulent qu'on respecte les consignes. En gros, ils veulent qu'on reste bête et consigne. Alors ? Un 10. C'est un groupe. Ouais. Ils sont plusieurs. Bah, un groupe, oui, ils sont plusieurs. Arrête de me prendre pour un groupe. De quoi ? Un ancien ou un nouveau ? Non, c'est... Ouais, c'est... Ils faisaient du sale avant et maintenant un peu moins. Ils sont toujours en groupe ? Ils sont tous... Non, non. Ah, Maître Gims. Ouais, mais le groupe. Loulou ! Ah, Loulou, il a dit en premier ! Ouais. Ouais, de toute façon, j'avais compris le principal. Bon, bah, un point pour le Shrey. Ils veulent qu'on respecte les consignes. En gros, ils veulent qu'on reste bête et consigne. Bon bah voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Franchement, Tata, il a trouvé quand même pas mal de bonnes réponses. Louchkaï un peu moins. Loulou. Oh, tu loulou. Ouais, mais merde. Moi, je t'ai aidé quand même un peu, t'as vu? Ouais, merci. Que je pouvais. Heureusement que t'étais là pour me donner quelques indices. Donc les gars, si vous aussi vous voulez vous amuser, essayez de marquer dans les commentaires vos punchlines, essayez d'en trouver quelques-unes, et peut-être que le prochain épisode, on fera un épisode spécial punchline d'abonnés. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Nous, on va vous laisser là-dessus. Je vous dis bon game, et ciao tout le monde. Bye Sonka, ratatatata. Bye Sonka, ratatatata. Quand je dis pouce, vous dites bleu. Pouce bleu, pouce bleu. T'as aimé la vidéo?
lâche un pouce bleu.